Alors bonjour à tous, merci d'être là pour ce dernier cours, malgré le beau temps dehors. Ça vous donne un aperçu de la difficulté de travailler à Marseille quand même. Et effectivement, donc je prends la suite du cours d'Emmanuel Filiot d'hier matin. Je m'appelle Pierre-Alain Régnier, je suis ravi d'être là. Et je vais donc faire la suite du cours. Alors on a encore pas mal de choses à raconter aujourd'hui. Et je commence par un petit rappel du point auquel on était arrivé hier à la fin du cours d'Emmanuel. Donc il vous avait présenté ces trois classes de transduction. Donc des transducteurs qui étendaient les automates finis classiques. Donc en toute généralité, on peut faire des relations. Vous vous souvenez peut-être de la relation sous-mot, qui est ici. Et puis, on pouvait s'intéresser aux relations qui, en fait, sont des fonctions, donc les transducteurs qui réalisent des fonctions, donc qu'on appelle fonctionnelles. On avait vu, par exemple, l'exemple du bit de parité ajouté au début. Et ceux qui sont réalisables par une machine qui, du point de vue de l'entrée, est déterministe. Donc, on avait appelé ça les fonctions séquentielles, par exemple, la fonction qui efface simplement des B ou des A, je ne sais plus. Et il avait donc démontré que, enfin, il y avait deux problèmes naturels qui étaient la fonctionnalité et la déterminisabilité. Donc, étant donné un transducteur comme ça, est-ce qu'en fait il réalise une fonction? Et même, est-ce que cette fonction est réalisable par une machine déterministe? Et donc, on avait vu que la fonctionnalité était décidable en temps polynomial. OK. Donc, je prends la suite du cours. Et d'abord, je récolte les fruits du travail d'Emmanuel en montrant comment la fonctionnalité va permettre d'avoir des résultats en termes d'équivalence. Donc, il vous avait dit déjà hier que quand les transducteurs sont fonctionnels, l'équivalence de transducteurs fonctionnels, ça se réduit à la fonctionnalité en prenant l'union disjointe des deux transducteurs, en testant l'égalité des domaines et en prenant l'union disjointe des deux transducteurs et en testant si cette union est fonctionnelle. Donc effectivement, ce qu'on obtient, c'est que dans le cas général, le problème d'équivalence pour des fonctionnels est piecewise complet à cause du domaine. Et si on sait que le domaine est égal, du coup, on obtient un algo p-time puisqu'on a vu que la fonctionnalité était p-time. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que finalement, tester l'équivalence de deux machines dont on sait qu'elles ont le même domaine, donc je sais pas, par exemple, pour simplifier, on pourrait imaginer que le domaine est total en complétant la spécification. C'est pas très cher, seulement polynomial. Alors, on a fait une restriction importante ici. On a supposé que les transducteurs étaient fonctionnels. Et il y a une vraie raison à ça, c'est que si on se met dans le cadre général, boum, on devient directement indécidable. D'accord ? Donc dès lors qu'on, si on cherche à tester l'équivalence de deux relations, donc de deux transducteurs non déterministes, on devient indécidable. C'est un résultat qui est connu depuis longtemps. Même si on essaye de restreindre le modèle en prenant des alphabets unaires, ça reste indécidable. Et c'est une réduction au problème de correspondance de poste. Et si ça vous amuse, c'est une réduction qui n'est pas trop compliquée et qu'on a détaillée dans les actes. Donc vous pourrez la lire, on ne l'a pas détaillée dans les transparents, on n'a pas le temps de tout faire. Alors, qu'est-ce qui se passe entre des transducteurs qui réalisent des relations et des transducteurs qui réalisent des fonctions? Il y a quand même un échantillon entre les deux. Et il y a une notion qui est des transducteurs finiment valués, donc qui est définie ici, là. C'est-à-dire qu'il existe une constante K, telle que pour tout mot d'entrée, on sait que le nombre de sorties sera borné par K. D'accord? Donc on ne va pas pouvoir produire un nombre arbitrairement grand de sorties pour un mot d'entrée donné. Alors dans ce cas-là, donc c'est ce qu'on appelle les transducteurs finiment valués, on peut montrer qu'on retrouve la décidabilité, par contre la complexité est plus du tout polynomiale, ça va être exponentiel. Donc voilà un petit peu les conséquences de ce qu'on a vu sur l'équivalence. Et donc en particulier, si je mets ce transparent qui récapitule un petit peu où on en est pour vous dire ce que je vais faire maintenant. Donc du point de vue des trois classes, on a un saut d'expressivité et on a vu que tester la fonctionnalité est polynomiale. Donc moi, je vais m'intéresser à ça là, dans le début du cours. Et puis, du point de vue du problème d'équivalence, quand on sait que le domaine est égal, donc on a que c'est polynomial pour ces classes-là et indécidable en général. Donc la question à laquelle je vais m'intéresser maintenant, c'est ces points d'interrogation rouges. Donc étant donné un transducteur fonctionnel, est-ce qu'il réalise une fonction qui est séquentielle, c'est-à-dire est-ce qu'il existe une machine déterministe équivalente? Donc j'ai rappelé le problème ici. Alors c'est un problème super important en pratique. Pourquoi? Parce que on a envie de décrire des machines non déterministes quand on spécifie, on a envie de se donner un cadre pour modéliser qui est le plus expressif possible. Mais par contre, si à la fin vous avez un modèle qui vous convient et que vous voulez vraiment l'implémenter, pour l'instant on fait encore des algos déterministes, on fera peut-être des algos quantiques dans un moment, mais pour l'instant on fait encore des algos bien déterministes, donc avoir une implémentation déterministe, c'est vraiment un problème important. Et c'est exactement ça que pose cette question-là que pose ce problème. D'accord ?
Alors, je me place dans un cadre pour que ce soit un peu plus simple. Je suppose que c'est fonctionnel, parce que si ça ne fait pas une fonction, de toute façon, je ne pourrais pas le rendre déterministe, hein, puisque toutes les machines déterministes, elles réalisent des fonctions. Et je suppose que mon automate, mon transducteur, est émondé, ça veut dire que tous les états sont à la fois accessibles et coaccessibles, sinon, c'est pas cher, je les enlève. Ok. Alors, quels sont les résultats, qui sont des vieux résultats, en fait, hein, de déterminisabilité des transducteurs? Ils sont dus, donc j'ai résumé ça de la façon suivante. C'est décidable en temps polynomial, donc c'est pas très cher de savoir si on peut le déterminiser, ce transducteur. Par contre, la machine équivalente peut être de taille exponentielle, mais si vous connaissez, et vous connaissez forcément, la déterminisation des automates finis, il y a aussi une borne inférieure exponentielle, donc finalement, c'est pas surprenant qu'on ait besoin de payer une exponentielle. Et la caractérisation, elle vient d'un résultat de Chauffru en 77 qui s'appelle la twinning property, donc que je vais détailler plus précisément après. Et la décision elle-même, elle a été obtenue par Weber et Clem en 95. Ok, ça va, c'est clair. Si vous avez des questions, je ne l'ai pas dit, hein, mais vous m'interrompez. D'accord. Moi, je vais vous en poser de temps en temps des questions. Ça va venir tout de suite, d'ailleurs, il va y avoir des questions. Alors, un petit exemple simple de transducteur. Donc, ça va vous faire un petit refresh sur le cours d'hier. Un transducteur à trois états. L'alphabet, c'est il y a juste des A et des espaces. Et donc la question est, que fait ce transducteur? Oui? Il copie un mot, sauf qu'il y a une lettre A, et par contre, quand il y a des espaces, si on a plus que 1, il en reste qu'un, et s'il y a un espace entre un mot, il les retire tout. Exactement. Ça va, c'est clair pour tout le monde? Donc ici, il y a le comportement en fait où donc on a marqué l'état initial, hein, les états finaux, c'est les doubles cercles. Hop. Et donc ici, il y a le comportement effectivement au début, tant qu'il n'y a pas les espaces en fin de mot, où le premier, on le recopie, les suivants, on les efface, et puis les lettres du mot, elles, on les conserve. Et ça, c'est le comportement pour traiter les espaces en fin de mot, eux, on les enlève tous. Donc ça réalise cette fonction-là, exactement ce que vous avez dit. OK. Alors, je vous ai dit qu'on allait parler de déterminisabilité. À votre avis, est-ce que ce transducteur, je peux le réaliser par un transducteur qui est déterministe vis-à-vis du mot d'entrée? Donc là, vous voyez qu'il y a du non-déterminisme ici au niveau de l'espace. Hein. Je dois deviner dans cette machine, quand je lis un espace, s'il s'agit des espaces qui sont en fin de mot ou pas. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Voilà, donc en fait, on va garder en mémoire, dans l'état, finalement, l'information du fait qu'on a vu un espace, qu'on ne l'a pas encore produit, parce qu'on ne sait pas s'il va être suivi ou pas d'une lettre. D'accord? Donc plutôt que de le produire au début, on va le produire a posteriori, d'une certaine façon. Donc effectivement, dans ce cas-là, on n'a pas besoin du nom déterministe. Il y a une machine déterministe équivalente, qui est celle-ci, qui retient, hein, quand on voit un espace, bah, qu'on a lu un espace, on ne l'a pas encore produit, parce que si on n'en voit plus, il ne faudra pas le produire. Par contre, dès qu'on revoit une lettre, alors on le produit, mais juste devant la lettre. Ça va? C'est clair? Donc voilà une machine déterministe équivalente. En plus, on a gagné un état. Mais voilà, on aurait très bien pu, au début, arriver à cet automate-là, par différentes constructions. Et donc, c'est assez naturel d'avoir envie de savoir est-ce qu'il y a une machine équivalente déterministe. Alors, d'accord, je présente tout de suite l'idée générale pour déterminiser, qui est une idée hyper naturelle, en fait. Si je vous avais posé la question, vous auriez sans doute proposé ça. En tout cas, si vous êtes un petit peu chaud, un petit peu familier du domaine. On a envie d'étendre la déterminisation des automates finis, d'accord? Puisqu'on doit simuler tous les runs de notre machine. Donc, on a envie de faire une subset construction. Seulement, on doit gérer les sorties en plus. Donc, le truc, le mot dont on est sûr qu'on peut le produire, c'est le plus grand préfixe commun des mots qui correspondent aux différents runs qu'on est en train de simuler. D'accord, le plus grand préfixe commun, puisqu'il y a différents runs qui veulent produire différents mots en sortie. Ils ne sont pas forcément d'accord sur les sorties qu'ils veulent produire, mais le plus grand préfixe commun, c'est exactement le plus grand mot sur lequel ils sont tous d'accord. Donc celui-là, on peut le produire, on n'est pas obligé d'attendre. Eh bien, en fait, cette construction, c'est la construction qui marche bien pour déterminiser. Alors, je l'illustre sur cet exemple, qui est l'exemple des espaces. Donc au début, je commence dans l'état Q0. Au début, je n'ai rien en mémoire. Et quand je lis un A, je reste sur place et je produis effectivement mon A. Il y a un seul run. D'accord?
Donc le truc plus intéressant, c'est quand je lis un espace, puisqu'effectivement, je ne sais pas encore s'il s'agit d'un espace qui va vers l'état Q1 ou vers l'état Q2. Donc j'ai dans ma subset construction deux états. Mais par contre, il y en a un qui veut produire espace et l'autre qui veut produire epsilon. Le plus grand préfixe commun de espace et de epsilon, c'est epsilon. Donc je ne produis rien. Et je vais garder en mémoire ce que je n'ai pas pu produire. Donc si je suis dans l'état Q1, j'aurais voulu produire cet espace. Si je suis dans l'état Q2, bah, j'ai rien en mémoire, je suis content. J'ai pas de retard par rapport à ce que je voulais faire. D'accord ? Donc c'est un algo super simple. On déterminise, on regarde le plus grand préfixe commun, on le produit. Et le reste, ce qu'on n'a pas pu produire, on le garde dans l'état. Alors on peut dérouler cette construction sur cet exemple. Vous pouvez vérifier que si je rajoute cette boucle sur l'espace, donc qui correspond à cette boucle-là autour de l'état 1 et celle-ci autour de l'état 2, je réobtiens exactement le même état, puisque les deux veulent produire epsilon, en fait. Et puis, si au contraire, je lis un A, alors l'état 1 revient vers l'état 0, l'état 2, il est bloquant, donc il disparaît, donc le run à partir de 2, il meurt. Donc je n'ai que l'état 1 qui vient vers Q0, qui avait espace en mémoire, qui veut produire A, donc finalement, je produis espace A. Et j'obtiens exactement le transducteur que je vous ai donné sur le slide précédent. D'accord ? Donc ça a l'air de bien fonctionner, cette construction. Alors on pourrait se dire peut-être que ça fonctionne tout le temps. Ça va ? Elle est claire, cet algo de déterminisation subset ? Est-ce que ça marche tout le temps ? La réponse est non, puisqu'on vous a déjà un petit peu fait sentir l'idée que, par exemple, sur le bit de parité, on a besoin d'avoir l'information dès le début sur le nombre de 1 qu'on va rencontrer pour être capable de produire un 1 ou un 0. Donc nous, on ne peut pas toujours déterminiser. Et voilà un exemple où ça se passe mal. Alors c'est un exemple un peu du même style que le bit de parité. Donc on peut peut-être regarder plutôt la fonction plutôt que de regarder le transducteur. Donc je lis plein de A, et puis à la fin, soit un B, soit un C. Et voilà, selon la dernière lettre, je vais devoir traduire tous ces A en DB ou tous ces A en DC. D'accord ? Donc ça, c'est méchant, typiquement, parce qu'on a besoin de connaître B ou C, et on ne le connaît pas. Donc de façon déterministe, c'est mal parti. Et donc, si on s'amuse à dérouler un petit peu la subset sur ce truc-là, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, au tout début, on va avoir ces deux runs, un qui part à gauche, un qui part à droite. Q1, il a envie de produire B, Q2 a envie de produire C. Le plus grand préfixe commun, c'est epsilon, donc je garde B et C. Et puis, j'ai ces deux boucles qui vont être embêtantes. Ces deux boucles, on peut les qualifier de synchronisées, elles ont lieu en même temps quand je lis un A. Puisque, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont augmenter en fait ce que je dois garder en mémoire. Le plus grand préfixe commun est toujours epsilon, donc je dois mémoriser un B supplémentaire et un C supplémentaire. Et donc vous voyez le truc venir, si je continue comme ça, je vais construire un nombre d'états infinis. Donc effectivement, la subset construction, elle ne marche pas tout le temps. Et donc l'enjeu maintenant, c'est de caractériser quand est-ce qu'un transducteur fonctionnel est déterminisable. Et on va voir qu'il y a une jolie propriété qui est celle-ci, qui s'appelle la twinning property, donc qui a été introduite par Chauffru en 77, c'est pas tout jeune, et qui réutilise la notion de delay que Emmanuel avait introduite hier, donc je vous la rappelle quand même, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis hier matin, j'en suis sûr. Donc étant donné deux mots U et V, le delay de U et V, c'est la paire de mots U'V' qui est obtenue à partir de la paire de mots UV en retirant le plus grand préfixe commun que j'ai noté ici, L. D'accord, donc c'est exactement ce qu'on fait dans la subset, intuitivement, on retire le plus grand préfixe commun. Alors qu'est-ce que c'est que cette twinning property ? Eh bien elle dit que quand j'ai deux runs comme ça, donc sur des mêmes mots d'entrée, U1 ici et ici U2, ici en fait ce que j'ai c'est une boucle autour de Q et ici une boucle autour de P. Donc ça correspond un petit peu aux deux boucles que j'avais dans mon exemple avant qui se passaient mal. Et ce que je vais demander c'est que le délai avant la boucle, donc entre les productions V1 et W1, soit égal au délai quand j'ai pris une fois la boucle, donc entre la production du run du haut, V1, V2, et la production du run du bas, W1, W2. D'accord ? Donc le fait de prendre une fois la boucle, ça ne modifie pas le décalage qu'il y a entre mes deux runs. Donc en particulier, le fait de la prendre deux fois, ça ne va pas non plus modifier ce décalage, et ainsi de suite. D'accord ? Je vais toujours rester sur ce même décalage entre mes deux runs. Ça, c'est la propriété de jumelage, propriété de twinning, introduite par Christian Chauffru, et donc le joli résultat, c'est exactement ce qu'il nous faut. Le transducteur, il est déterminisable si et seulement si il satisfait cette propriété de jumelage. D'accord ? Donc ça, c'est vrai, effectivement ça qui nous caractérise le problème qui nous intéressait. Alors je vais donner un petit peu quelques arguments sur comment on démontre ça.
peut-être pas descendre exactement dans tout le détail de la preuve, mais il y a au moins un sens qui est assez facile, qui est celui-là, qui est donc de démontrer si je satisfais la twinning property, alors je vais être déterminisable. Donc en fait, ce que je peux faire, c'est carrément montrer ce petit lemme. Je prends deux runs sur un même mot d'entrée U, et je suis capable de borner le délai entre mes deux mots V et W. D'accord, donc okay. Par cette constante. Donc j'ai quoi? J'ai U, V, P, U, W, Q. Et donc je sais que j'ai cette propriété-là qui est vraie. D'accord? Alors comment est-ce que je vais démontrer ça? Peut-être d'abord, ce que je peux commencer par dire, c'est pourquoi est-ce que j'ai gagné d'une certaine façon pour cette implication une fois que j'ai cette propriété. C'est facile d'observer que si j'ai cette propriété, donc si t satisfait la twinning, j'ai que le délai entre deux mots est toujours borné, et ça va me garantir en fait que les délais que je vais construire dans ma subset, ils sont toujours bornés. Donc ça va me garantir que ma subset termine, et donc que je suis capable de construire un transducteur déterministe équivalent. D'accord, donc j'ai bien cette implication, si je satisfais le twinning, je suis déterminisable. Alors, ça va pour ça. Si je reviens maintenant sur comment est-ce que je démontre cette propriété, bon, elle est pas très difficile. En fait, si le mot est court, alors nécessairement le délai est borné simplement par un argument de longueur. Et si le mot est long, vous imaginez que je vais être capable de faire apparaître une boucle synchronisée, une boucle qui va exactement correspondre au motif de ma twinning property qui me dit « cette boucle, elle ne modifie pas le délai ». Donc en fait, je vais pouvoir faire disparaître la boucle en obtenant le même délai. Donc si j'avais un run trop long qui violait cette propriété, en supposant que le run est de longueur minimale, ce que je dis ici, je vais être capable en fait, de construire un run plus court qui contredit aussi, donc je vais avoir une contradiction. D'accord. Peut-être pas détailler trop ce truc-là. Donc ce sens-là est facile. Dans l'autre sens, montrer que si je suis déterminisable, alors je satisfais la twinning property, c'est un peu plus technique, il faut faire un peu de combinatoire des mots. Ce qui est très facile, c'est de se fonder sur l'intuition, c'est-à-dire déjà l'exemple qu'on a vu tout à l'heure avec ANB donne BN plus 1 et ANC donne CN plus 1, on a vu que ça violait la twinning property et on voit que la subset va devoir accumuler de plus en plus de choses en mémoire. Ici, j'ai fait un autre exemple un peu du même style, hein, donc je vais avoir des délais qui vont être en nombre infini, et donc ça ne va pas être possible avec un nombre fini d'états de retenir ce nombre infini de délais. Ça, ce n'est pas une preuve, mais si on veut faire une preuve, c'est un petit peu plus fatigant. Donc je vais vous dispenser de la preuve. Elle est là, la preuve. Si vous voulez la voir, vous pourrez la lire tranquillement, les transparents, ils seront, ils seront mis à disposition. Donc on suppose maintenant qu'on a à notre disposition cette caractérisation qui dit que donc le transducteur est déterminisable si et seulement si satisfait cette propriété de jumelage. Alors, le but du jeu, c'est quand même d'avoir un algo à la fin, de décider si un transducteur donné est déterminisable ou pas. Donc on va utiliser cette caractérisation pour obtenir un algo. D'accord ? Alors la première observation qu'on fait, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va chercher un contre-exemple. On va chercher une exécution qui viole la twinning property. Donc deux runs comme ça, tel que le délai est différent. Et alors une première observation pas trop difficile, il faut faire à nouveau un petit peu de combinatoire, c'est qu'il y a essentiellement deux façons de violer cette twinning property. Ou bien on a un problème de longueur sur les mots qui étiquettent les deux boucles. La longueur de V2 est différente de la longueur de W2, et alors là, à ce moment-là, c'est trivial de voir que le délai va être différent parce que les deux vont grandir pas à la même vitesse, donc on ne va pas pouvoir maintenir un même délai. Ou bien on a une boucle où les mots ont la même longueur, et ce qu'on trouve, en fait, c'est une lettre différente dans les mots V1 et W1 qui permettent de rejoindre cette boucle synchronisée. D'accord ? Un mismatch, c'est vraiment une position I qui est plus petite que la longueur de V1 et plus petite que la longueur de W1, donc il y a vraiment une lettre dans V1 et dans W1 à la position I, et cette lettre, c'est pas la même dans V1 et dans W1, c'est un A d'un côté, un B de l'autre. D'accord ? Donc dans ce cas-là, c'est sûr que le délai va être différent aussi, puisque comme on va rajouter quelque chose qui est non vide derrière, ça ne va pas pouvoir simplifier. Le plus grand préfixe commun, il est bloqué par cette lettre qui est différente. D'accord ? Donc ce n'est pas difficile de montrer effectivement cette affirmation. Et c'est cette affirmation qu'on utilise pour dériver un algorithme. On va maintenant chercher à décider les deux propriétés 1 et 2 indépendamment. Alors la propriété 1, ce n'est pas très difficile. On va faire un graphe pondéré avec des entiers relatifs
c'est juste mesurer la longueur des mots de sortie, en fait. Donc, on va juste étiqueter... Donc, le graphe, c'est le graphe square des paires d'états. Et on va de PQ à P'Q' avec un entier N. Si on trouve une lettre sigma et deux transitions qui vont de PP' à QQ et de Q à Q', et N, c'est exactement la différence de longueur entre le mot produit par la première transition et celui produit par la seconde transition. D'accord ? Donc, ça mesure la décalage de longueur. Et donc, s'assurer que ceci n'arrive jamais, ça revient à s'assurer que tous les cycles ont exactement un poids zéro. D'accord ? Donc là, maintenant, on a un graphe pondéré et on cherche un cycle de poids non nul. Et ça peut se faire avec des algos de graphes classiques type plus court chemin. D'accord ? Donc ça, c'est pas trop compliqué, c'est polynomial. Donc maintenant, on peut supposer que le premier cas n'arrive pas, c'est-à-dire que pour tous les cycles, effectivement, les longueurs de V2 et de W2 sont les mêmes. D'accord ? Donc maintenant, on va chercher un problème qui est du type numéro 2. Alors, pour faire ça, on va procéder en plusieurs étapes. La première étape, c'est d'identifier les paires PQ qui possèdent un V2 et un W2 comme ça. Alors, on veut que ce soit différent de 0. Donc, je l'ai réécrit ici. C'est les paires PQ telles qu'il existe un mot d'entrée U2, il existe une boucle sur U2 synchronisée autour de la paire PQ, et les deux mots de sortie ont même longueur, forcément, maintenant, mais surtout ont une longueur non nulle. Donc ça, c'est pareil, c'est pas très difficile, c'est juste un problème d'accessibilité dans un graphe. On peut facilement calculer cet ensemble grand X. Et maintenant, ça va jusque-là. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est trouver un chemin, trouver ce mismatch-là. Trouver ce mismatch entre V1 et W1 qui atteint des choses comme ça. Donc j'ai réécrit ça de cette façon-là. On va chercher un chemin de la paire d'états initiaux P0, P0 vers PQ qui est dans X, qui produit V1, W1, tel qu'il y a un mismatch entre V1 et W1. Alors là, il faut faire un peu attention, parce que si on veut stocker les délais, ils pourraient être un petit peu trop nombreux. Donc en fait, on va être obligé d'utiliser un algo non déterministe qui va deviner ce chemin. Et alors si on... Donc ici, j'ai mis un petit peu les détails. On peut s'assurer que la longueur de ce chemin, elle peut être bornée par 2n carrés, parce que en fait, il suffit de regarder d'une part les cycles simples, parce que si tous les cycles simples satisfont l'ATP, alors le transducteur dans son ensemble satisfait l'ATP, donc on peut se limiter à la recherche d'un contre-exemple avec un cycle simple. Ça, c'est la compositionnalité du délai qui la donne. Et de la même façon, on peut borner aussi la longueur du chemin qui mène au cycle synchronisé par n carré. Donc c'est comme ça qu'on obtient ce 2n carré. On doit aussi deviner la position i qui correspond à un mismatch entre V1 et W1. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on va faire de façon non déterministe. À un moment, on va stocker les deux lettres produites d'un côté dans V1, de l'autre dans W1 pour s'assurer qu'on a un mismatch. Et cette position, elle va être stockée avec des registres, mais comme on a borné la longueur de l'exécution, ces registres eux-mêmes ont une valeur qui est bornée par ce polynôme et donc vont être de taille logarithmique, en espace logarithmique. Donc tout ça, ça nous donne une procédure qui est en fait un n-log space. Bon, ça devient un peu technique, je ne m'apesantis pas là-dessus, mais le résultat final, c'est qu'à la fin, on a bien un algo qui est pi-time, mais en fait, on peut même montrer qu'on a un algo qui est n-log space pour faire tout ça. D'accord ? Donc la séquentialité, comme la fonctionnalité, Emmanuel ne l'avait pas dit hier, mais il avait dit pi-time, mais elle aussi, elle est en n-log space, si je ne dis pas de bêtises, fonctionnalité. Donc voilà, là aussi, on a des algos, on va dire, efficaces. N-log space, c'est, pour des gens qui viennent de la vérif comme nous, c'est génial. C'est pas cher de tester si un transducteur est fonctionnel ou déterminisable. OK ? Donc, si je récapitule où on en est à ce moment-là de l'exposé, on a ces trois classes, non déterministe, fonctionnel, déterministe. La décision de sous-classe n'est pas très chère, pi-time. Et donc, du point de vue de l'équivalence, pour ces deux classes-là, on a un problème d'équivalence qui n'est pas trop cher, si on sait que les domaines sont les mêmes. Et par contre, dès qu'on passe en non déterministe, ça devient indécidable. OK, ça va ? Des questions ? C'est bon ? Alors, je passe à la suite. Donc là, on a parlé d'une présentation de transduction fondée sur des automates, on va dire, auxquels on a rajouté des sorties. On va parler un petit peu de logique. On va en parler deux fois aujourd'hui de logique. Donc là, c'est une première étape de logique pour s'échauffer un petit peu. Comment représenter des transductions avec des logiques ? Et là, on va utiliser la logique monadique du second ordre. Sur les mots, alors il y a un petit transparent, il y a deux transparents de rappel sur la logique monadique du second ordre, alors, parce que je ne savais pas si, à quel point vous êtes tous familiers, intermediate, advanced, dans ce topic. Donc je vous rappelle la syntaxe.
Donc, posez-moi, il va y avoir des exemples après, hein, pour que vous fassiez un peu la main. À quoi on a le droit? On a les opérateurs booléens, d'accord? Et on va avoir deux types de variables, les variables qu'on appelle du premier ordre et du second ordre. Les variables du premier ordre, on va considérer MSO sur les mots. Les variables du premier ordre vont correspondre à des positions dans le mot, alors que les variables du second ordre correspondent à des ensembles de positions du mot. D'accord ? Et donc on peut quantifier existentiellement et universellement, grâce à la négation, ce type de variable. Et qu'est-ce qu'on peut écrire ? On peut écrire qu'à la position X, la lettre c'est un sigma. On peut écrire que Y est la position successeur de X. Et on peut écrire que la position petit x appartient à l'ensemble de positions grand X. D'accord ? On utilisera peut-être inférieur ou égal, qui est la clôture transitive, donc qui est simplement l'ordre sur les entiers naturels, qui s'obtient en MSO à partir de successeurs. Donc quelques exemples simples. La première position est un A. Ça s'écrit qu'on a A de X, et pour tout Y, donc il devrait y avoir un il existe X en fait devant, je pense, il existe une position X telle qu'on a un A à la position X, et X est la première position, ça va s'écrire comme ça, il n'y a aucun, pour tout Y, X est plus petit que Y. D'accord ? Il n'y a pas le motif AB, ben il n'existe pas de position X et Y, telle que Y est le successeur immédiat de X, X est étiqueté par A et Y par B. D'accord ? Alors après, on peut parler de parité, tout ça, mais ça fait des formules un peu plus compliquées, donc je ne l'ai pas mis. Étant donné une formule close, donc sans variable libre, elle définit un langage, c'est l'ensemble des mots qui satisfont la formule, et donc un résultat assez, quand même très fondateur du domaine, c'est l'équivalence de cette logique sur les mots avec les automates finis. Donc les langages réguliers ou rationnels sont définis de manière équivalente par cette logique MSO avec cette interprétation-là. D'accord ? Donc ce que ça veut dire, hein, c'est bien que, étant donné une formule phi comme ça, je suis capable de construire un automate fini équivalent, et réciproquement, étant donné un automate fini, je suis capable de construire une formule phi telle que le langage de phi, c'est le langage de l'automate. En deux mots, comment est-ce qu'on fait ça ? Donc dans le sens automate vers formule. J'ai un automate fini, je veux construire une formule qui décrit les mots reconnus par cet automate. Ce que va dire cette formule, c'est « il existe un run acceptant sur le mot ». D'accord ? Donc elle va dire « il existe une séquence de transition qui permette de reconnaître ce mot ». Et comment est-ce qu'on va faire ça ? On va utiliser les variables du second ordre pour étiqueter les positions du mot par les états du run acceptant. Et ensuite, une fois qu'on a l'étiquetage des positions par les états, c'est assez facile de dire effectivement qu'entre une position et son successeur, il y a la transition correspondante dans l'automate. Donc ça, c'est le sens automate logique, il est assez simple, il est même très simple. Le sens un peu plus pénible d'un point de vue technique, c'est le sens logique automate, parce que les logiques, on a envie de raisonner par induction sur nos formules, naturellement, et à la fin, j'ai une formule close, mais au milieu de mon induction, bien sûr, j'ai des variables libres, donc je dois démontrer un théorème un peu plus fort qui tient compte de ces variables libres. D'accord ? Et donc ce que je vais démontrer, en fait, c'est que pour toute formule, même avec des variables libres, je suis capable de construire un automate qui reconnaît ces modèles. Et comment est-ce que je fais ça ? Bien, quand il y a des variables libres, je vais enrichir mon alphabet avec des 0 et des 1 pour indiquer en fait la valuation de ces variables libres. On va voir ça un petit peu dans un exemple après. Donc ça, c'est un résultat vraiment fondateur qui date des années 60. Et donc un objectif naturel qui a été beaucoup étudié dans la communauté, c'est bien sûr de le généraliser, de le porter à des extensions, donc que ce soit des automates pondérés, que ce soit des automates, etc. Et donc nous, on va regarder un petit peu ce qui se passe quand on va vers des transducteurs. Alors, ah oui, il y avait un petit peu des exercices d'abord. Vous voulez faire les exercices ou vous êtes complètement à l'aise et ça ne sert à rien ? Non ? On fait les exercices un petit peu ? Bon, alors, phi first de x qui dit que x est la première position du mot. Comment est-ce que vous faites ça ? Pardon ? Je ne t'entends pas, Marion. Oui, comme avant. Ouais. Donc, par exemple, on pourrait écrire quel que soit y, x inférieur à y. D'accord ? Donc x, c'est bien une position du mot. Donc j'ai dit, en fait, pour toute variable y du premier ordre qui correspond à une position, cette variable est postérieure, supérieure ou égale. Si vous préférez, on peut écrire nom de il existe y
S de YX. Si on veut utiliser le prédicat du début, il n'existe pas de Y tel que X est le successeur de Y. OK, pardon. J'ai deux ensembles, grand X et grand Y, donc deux variables du second ordre, et je veux dire qu'elles font, elles forment une partition de l'ensemble des positions du mot. Voilà, on va laisser un peu réfléchir. Oui, il y a tous les connecteurs booléens que vous voulez. Pour l'instant, j'ai juste mis « ou » et la négation, mais vous pouvez utiliser l'implication, l'équivalence. Ouais. Voilà, donc on peut l'écrire comme ça, on peut dire finalement X et Y couvrent le domaine et leur intersection est vide. Et alors on peut l'écrire de façon encore un peu plus concise. X appartient à grand X si et seulement si nom de X appartient à grand Y. D'accord, c'est, tout ça est logiquement équivalent, mais c'est sans doute la façon la plus simple. OK ? Donc j'ai l'équivalence, hein, puisque j'ai les connecteurs booléens, donc j'ai les implications, ainsi de suite. Ça va ? Vous m'interrompez hein, s'il y a des trucs pas clairs. Alors dernier petit exemple, un peu plus... on monte un peu en difficulté. Donc j'ai un ensemble grand X du second, une variable grand X du second ordre, donc qui correspond à un ensemble de positions, et je veux dire que ça correspond à l'ensemble des positions paires de mon mot. Peut-être il faut qu'on se mette d'accord si la première position est une position paire ou impaire, sinon on va avoir un problème. Je ne sais pas si vous avez un point de vue sur la question. Je crois qu'après je dis que la première position c'est 1, donc on va dire que la première position est impaire. D'accord ? On va dire que les positions sont comme ça. Alors, comme ces exercices ont été préparés avec beaucoup d'attention, naturellement, il est utile d'utiliser les questions précédentes. Alors, qui se lance ? Non, vous avez besoin encore de quelques secondes. Ouais ? Ouais, alors pour l'instant, je n'ai pas encore de Y là, dans ma formule. Donc, il existe un Y avec une fine partition de X, Y, soit vrai. Ouais. Tout à fait, c'est ça. Donc c'est ça l'idée. On va chercher à, si je fais un dessin, peut-être c'est le plus simple. On a ces positions qui sont comme ça. Ce qu'on a envie, c'est de forcer une partition qui ressemble à ça. D'accord ? Où en vert, j'ai X et en rouge, j'ai Y. D'accord, on a envie de forcer notre partition à ressembler à ça. Et comme ça, on aura bien que X correspond exactement à l'ensemble des positions paires. Donc, si on veut l'écrire dans le détail, hein, qu'est-ce qu'on doit dire ? Quel que soit X, quel que soit Y, X appartient à X et S de XY implique Y appartient à Y.
et la même chose dans l'autre sens. Donc si x est dans y et s de xy, alors y est dans x. Et puis, donc vous m'avez dit, quel que soit x, si j'ai first de x, alors x est dans y. C'est ça que vous avez dit, je pense, à peu près. Donc j'ai une partition, j'ai cette alternance, je saute de x à y, je saute de y à x, un coup sur deux. Et la première position, alors vous voyez que j'ai mis un quel que soit, parce que je ne sais pas si cette position existe ou pas, potentiellement je peux avoir le mot vide. Donc si j'ai une première position, alors elle doit être dans grand Y. À cause de notre convention que la première position c'est 1. Ok ? Donc voilà le genre de choses qu'on peut faire. Donc quand on arrive au second ordre, tout de suite c'est un tout petit peu plus sportif, hein, mais c'est pas très compliqué non plus. Bon, ce sera dans les transparents après qui seront en ligne, les petites notations que je rajoute. Ok, alors maintenant on va regarder comment étendre ça pour faire des transductions maintenant. Alors on va prendre un premier modèle de transduction, on en verra un deuxième. D'abord j'ai besoin d'un tout petit peu de notation, donc phi de x, quand j'écris comme ça entre parenthèses x, c'est bien pour dire qu'il y a une variable libre qui est du premier ordre, que je nomme petit x. Mes positions, donc je les numérote de 1 à taille de w, et j'écris w, i satisfait phi de x, ça veut dire que phi de x s'évalue à true si j'instancie x par la position petit i dans le mot w. D'accord ? C'est une notation classique de logique. Et alors, ce que je vais faire, c'est que je vais considérer des transductions, je l'écris de cette façon-là. Je prends un ensemble fini de formules phi v1, phi vk, d'accord, qui dépendent d'un mot de sortie v1 ou vk. Et un mot d'entrée w égale à 1 à n, il va être traduit par cet ensemble de formules dans le mot de sortie v1, vn, si et seulement si pour tout i, il y a une unique formule en fait qui est vraie à la position i, et c'est la formule phi vi. Donc ce qui veut dire que le symbole à la position i, il est traduit dans le mot vi. D'accord ? Donc c'est vraiment une traduction en place. Hein, c'est un modèle. C'est vraiment. J'écris mon mot comme ça. Et ceci, ça va être traduit en. Alors si je me mets en bleu, en v1. Celui-ci va être traduit en v2. Celui-ci va être traduit en v3. Et ainsi de suite. Alors, il y a sans doute quelque chose d'affreux au niveau de mes indices. Ça doit être VI1 et VI2. Ouais. Et alors ici, il faut que je mette... Ouais, non, ce qui m'embête, c'est dans ma formule au-dessus, là. WI satisfait VI. Ouais, bon. Non, si, ça, c'est correct, en fait. Ouais, mais VI, ça va pas trop marcher. Bon, vous voyez l'idée, d'accord ? Donc, je traduis en place une lettre par un mot, si la formule correspondant à ce mot est satisfaite à cette position-là. D'accord ? Alors, pour rendre les choses plus concrètes, on va faire un premier exemple qui est la transformation, qui se contente d'effacer les A. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? Ça veut dire que si ma lettre est un A, j'ai envie de produire le mot epsilon, j'ai envie de l'effacer. Si ma lettre est un B, j'ai envie de le conserver. Et donc, ce que je fais, c'est effectivement simplement deux formules. Ici, une formule phi epsilon et une formule phi B. Et phi epsilon, elle va être vraie pour toutes les positions qui correspondent à des A, puisque j'ai envie d'effacer les A. Et phi b va être vrai pour toutes les positions qui correspondent à des b. D'accord ? Et donc ça réalise bien la fonction que j'ai indiquée en bas. Un mot sur ab, ça va juste garder les b. Ça va ? C'est clair pour ce modèle ? Ouais. Alors si c'est clair, exercice. Je veux rajouter un dièse à la fin de mon mot. D'accord ? Donc j'ai un mot U en entrée et je veux produire en sortie le mot U dièse. Donc pour ça, je vais construire deux formules. Une qui remplace sigma par sigma si je ne suis pas à la dernière position, et une autre qui remplace sigma par sigma dièse si je suis à la dernière position. D'accord ? Ça va ? C'est clair ? Donc la première, je vous la donne.
qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire que phi sigma de x, elle est vraie si sigma de x est vrai, donc je suis un sigma, et je ne suis pas la dernière position. Donc je ne suis pas la dernière position, là je l'ai écrit, il existe y, s de x, y. Et puis dans l'autre cas, donc phi sigma dièse, c'est je suis bien étiqueté par sigma, et je suis à la dernière position, donc quel que soit y, je n'ai pas s de x, y. D'accord? Il n'y a personne après moi. Ok? Exemple un tout petit peu plus compliqué, l'exemple du bit de parité qu'on a vu hier. Donc qu'est-ce que je veux faire pour réaliser le bit de parité? C'est au niveau du premier symbole que je dois rajouter mon bit de parité. Vous vous souvenez, il se rajoute au tout début du mot un 1 ou un 0 selon si le nombre de 1 est pair ou impair. Donc je dois au début remplacer sigma par 1 sigma si effectivement je suis sur la première position et j'ai un nombre impair de 1, et je dois remplacer sigma par 0 sigma si je suis sur la première position et j'ai un nombre pair de 1. Et puis les autres positions, donc qui ne sont pas la première, je vais simplement remplacer sigma par sigma. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? On va dire, effectivement, je suis sur un sigma, je suis sur la première position, ça on a vu comment faire, et alors là, j'ai pas écrit tous les détails, c'est pour vous laisser un peu de travail pour ce week-end. J'ai écrit une formule phi od 1, que vous seriez à peu près capable de déduire de la façon dont on a construit tout à l'heure la formule qui testait qu'une variable du second ordre correspondait à l'ensemble des positions paires. Donc là, il faut faire un truc comme ça pour tester que le nombre de 1 est pair ou impair. Il faut identifier une variable qui va correspondre à l'ensemble des positions qui sont étiquetées par 1, et puis la couper en deux pour avoir pair, impair, et regarder la dernière dans lequel de ces deux ensembles elle se trouve. Bon, il y a un petit peu de travail, mais on peut construire une formule phi od 1 comme ça. De la même façon, une formule phi even 1. Et puis, la dernière formule est très simple, elle dit juste « je traduis sigma en sigma ». OK? Alors, voilà un premier modèle de logique pour faire des transductions. Et on peut relativement facilement démontrer ce théorème-là. Donc, il va découler en fait assez directement là, dans ce cadre-là du théorème de Bucci, Helmholtz-Trachtenbrot. Une fonction MSO définissable au sens où c'est défini juste au-dessus, si et seulement si elle est réalisable par un transducteur à état fini tel qu'on les a définis précédemment. D'accord ? Donc on a une équivalence automate logique. Alors il est quelle heure ? 45. Bon, d'abord je vais dire ce qu'il y a là et puis je vais peut-être quand même un tout petit peu parler de la preuve. Alors, ça, c'est une introduction pour quelque chose un point sur lequel on va revenir dans 20 minutes, je pense, à peu près. Si on voulait faire des fonctions, par exemple, un peu plus amusantes, par exemple, prendre l'image miroir d'un mot. D'accord ? Donc, je voudrais traduire ici EJSIM en quelque chose que je vous laisse le plaisir de lire. Est-ce que j'arriverai à le faire avec ce modèle ? Donc, de toute façon, non, parce que le miroir n'est pas réalisable par un transducteur à état fini, donc d'après le théorème précédent, ce n'est pas possible. Mais pourquoi? Parce que ce dont on aurait besoin, en fait, c'est de dire que la position x qui est étiquetée par sigma, on a envie de la remplacer par... On a envie d'aller voir ce qui se passe à la position last-x, c'est-à-dire se déplacer dans le mot d'une certaine distance, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout définissable en MSO, d'accord? On ne peut pas switcher comme ça. Donc on va voir tout à l'heure un autre modèle de logique qui permet de faire ce genre de choses. Donc effectivement, ce n'est pas définissable avec ce modèle-là. Alors quelques mots sur la preuve de ce théorème. Donc on a cherché à faire une preuve qui utilise le plus possible le théorème de Bucci classique d'équivalence entre logique et automate. Et donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est étant donné... Donc, alors il y a une première hypothèse au début, là. Dont il faut que je dise deux mots. J'ai écrit, sans perte de généralité, je suppose que T, mon transducteur, est non ambigu. Donc je suis d'abord dans le sens transducteur vers logique. Alors normalement, ce dont je devrais partir, c'est un transducteur qui est fonctionnel, hein, puisque ce que je veux montrer, c'est que les transducteurs fonctionnels sont équivalents à MSO. Donc là, je le prends non ambigu. Donc bien sûr, s'il est non ambigu, il est fonctionnel, puisqu'il a au plus un run acceptant, donc il va forcément réaliser une fonction. Par contre, ce n'est pas forcément clair du tout qu'effectivement, les fonctionnels sont équivalents à non ambigu, et c'est un théorème qu'on peut démontrer, mais qui demande du travail, qui n'est pas trivial. Hein. C'est une sorte de subset construction où on doit mémoriser l'ensemble des runs possibles
et en sélectionner un qui va être minimal. On introduit un ordre sur les runs pour construire, pour s'assurer qu'il y ait toujours au plus un run acceptant. Et c'est comme ça qu'on va obtenir quelque chose de non ambigu. Donc là, il faut me croire. D'accord, je peux rendre ce transducteur non ambigu, ça me coûte une exponentielle. Maintenant, j'ai un transducteur non ambigu. Alors maintenant que j'ai un transducteur non ambigu, je prends une transition donnée de ce transducteur et je veux caractériser les positions telles qu'il existe un run acceptant qui utilise effectivement cette transition T. Donc c'est ce que j'ai écrit en dessous, là. Il y a un run sur le mot U tel que à la position I, j'utilise la transition T. D'accord ? Et donc pour le mémoriser en tant que langage, parce que je veux me ramener au théorème qui donne l'équivalence entre les langages des automates et les formules de MSO, je rajoute un petit peu d'information dans mon langage en rajoutant à chaque position un 0 ou un 1 qui va permettre justement d'indiquer si j'utilise à cette position-là la transition T ou pas dans mon run acceptant. D'accord ? Donc ce que j'affirme, ça va sur ce langage LT ? Donc c'est un enrichissement des mots avec des 0 et des 1 pour dire si j'utilise ou pas cette transition T. Ce que j'affirme, c'est que ce langage LT, il est régulier. Il est reconnaissable par un automate fini. Et l'automate fini en question, il est très simple. Je le construis directement à partir de T. Donc si je fais ma transition T, je suis dans ce cas-là. D'accord ? Donc ma transition T, je vous rappelle, elle est ici. Hein. Si je suis dans la transition T, je vais effectivement reconnaître le symbole, la paire A1. A, c'était ma lettre d'entrée de T, et 1 pour dire à cet endroit-là, j'ai utilisé la transition T. Et pour toutes les transitions T' qui ne sont pas T, je vais garder une transition comme ça, avec la lettre d'entrée de ma transition et un 0 pour dire ce n'est pas T. D'accord ? Donc ça, j'ai construit de cette façon-là un automate fini, et on peut facilement montrer que cet automate fini il reconnaît le langage LT que j'ai défini précédemment, qui est donc régulier. Et donc là, j'ai presque fini. Je peux invoquer le résultat de Bucci, le théorème équivalence automate logique. Donc ce langage LT, il me donne une formule fitée, donc qui caractérise en fait à quelle position j'utilise la transition T dans un run acceptant. Et maintenant, je vais prendre la disjonction de toutes les transitions qui produisent en mode sortie V. Alors vous vous souvenez que ce que je dois construire, hein, c'est des formules phi V comme ça. Avec le V qui indique la production en sortie. Donc je vais regarder toutes les transitions qui produisent un mot V en sortie. D'accord ? Je retrouve ce mot V ici. Et je vais faire la disjonction sur ces transitions. Et donc ça, j'affirme que cet ensemble de formules phi V, qui est bien un ensemble fini, parce que j'ai un ensemble fini de transitions, il est équivalent à mon transducteur du début. Et là, ça utilise en fait vraiment le fait que le transducteur soit non ambigu. Donc si je le fais en deux mots à l'oral, hein, j'ai un run acceptant, j'en ai un seul. Donc à chaque position, il va y avoir exactement une transition qui va être satisfaite et donc une seule de ces formules qui va être satisfaite. Et je vais reconstruire comme ça le mot de sortie qui est produit par le run acceptant. Donc ça, c'était le sens transducteur vers MSO. Le sens MSO vers transducteur, il utilise un peu le même genre d'idée, donc je vais peut-être le passer pour pas trop vous fatiguer parce qu'il y a encore des choses à voir après. Ok, donc voilà une première escapade, on va dire, dans la logique qui nous a permis de voir un premier modèle de logique équivalent au modèle de transducteur qu'on avait vu jusqu'à maintenant. Alors, je vous ai donné l'exemple du miroir, là, juste avant. C'était un petit peu une introduction à la section qu'on va aborder maintenant, là, autour des fonctions régulières. Donc, les fonctions qu'on a vues jusqu'à maintenant, on les a appelées fonctions rationnelles. Et la motivation pour la suite, c'est de constater qu'elles sont un peu faibles en expressivité. Donc, par exemple, on aurait envie de pouvoir calculer l'image miroir d'un mot. On aurait envie de pouvoir faire des opérations du genre je prends deux morceaux de mon mot et puis je les échange. On aura envie peut-être de copier plusieurs fois le mot d'entrée et puis appliquer des transformations dessus. On aura envie de faire des choses un peu plus compliquées. Si on imagine des listes, on pourrait avoir envie d'appliquer une fonction sur chaque élément de la liste, par exemple, faire un map, ce genre de choses. Et tout ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire avec les fonctions rationnelles pour l'instant qu'on a vues, qui sont un peu faibles. Donc on va aller vers un modèle plus expressif. Et je vais commencer avec un modèle d'automate, qui est un modèle d'automate simplement, plutôt que de prendre des automates unidirectionnels, on va maintenant les autoriser à se déplacer dans les deux sens dans le mot d'entrée. D'accord ? Donc des automates bidirectionnels. Alors ça se retrouve ici au niveau des transitions avec ces petites flèches qui indiquent si on se déplace vers la gauche ou vers la droite. D'accord ?
Alors, on continue de produire la sortie en rajoutant à droite de ce qu'on a écrit jusqu'à maintenant les nouveaux mots qui étiquettent les transitions du point de vue de la sortie. D'accord ? Donc, c'est un modèle très simple, hein, mais un petit exemple pour que ce soit bien clair. Donc, j'ai sur mon entrée une bande. Alors, maintenant, il y aura des marqueurs gauche et droite pour savoir quand est-ce qu'on doit faire demi-tour, comme on va dans les deux sens. C'est pratique d'avoir des marqueurs. J'ai un mot qui est écrit et je vais simplement exécuter cette machine. Donc, au début, je suis dans l'état 1. Qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est ma sortie. Hein. Je lis la lettre sigma, je produis epsilon et je me décale vers la droite. Donc j'ai lu la lettre A, j'ai rien écrit et j'ai décalé ma tête de lecture qui est ce petit triangle noir là, d'un cran vers la droite. D'accord ? Donc vous voyez que la première boucle, hein, qu'est-ce qu'elle fait ? En fait, elle lit tout et elle va à droite jusqu'à trouver ce marqueur de fin. Bon, donc finalement on va pouvoir accélérer un tout petit peu ce comportement. On décale notre tête de lecture vers la droite. On écrit toujours rien, d'accord ? On est toujours dans l'état 1, jusqu'à finalement arriver avec la tête de lecture en face du marqueur de fin. D'accord ? Donc cette fois-ci, ce n'est plus cette transition qui va s'appliquer, mais celle-ci, celle qui lit le marqueur de fin, qui fait un epsilon, et qui revient vers la gauche, mais ce qui est intéressant, c'est que cette fois-ci, on a changé d'état. Ok ? C'est vraiment une machine de Turing en version simple. Hein, mais... Donc on est maintenant dans l'état 2 et on va recommencer une boucle qui lit tous les mots, tous les symboles du mot, mais en se déplaçant toujours vers la gauche, mais cette fois-ci elle recopie des symboles, contrairement à la première boucle qui les effaçait. Donc je vais recopier ce B, ce O, ce N, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à la fin. Alors ici, ça écrit quelque chose. Alors je dois avouer que le transparent est d'Emmanuel, donc je ne sais pas si ça écrit quelque chose de drôle ou... À vous de voir, je vous laisse juger. Vous pouvez lui poser la question. Et puis on arrive jusqu'au marqueur de fin. Tac. Ici. Et alors quand on lit le marqueur de fin, pardon, c'était le coup d'avant, on arrive au marqueur de fin, on lit cette transition marqueur de gauche epsilon et on va dans l'état 3. Et on se retrouve comme ça et on s'arrête. Ici, c'est l'état final. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Finalement, on a réalisé cette image miroir que je prenais comme exemple tout à l'heure, hein, où je disais c'est un truc qu'on a envie de faire. Donc, de façon très simple, avec un two-way, on va à la fin et puis on recopie le mot d'entrée, mais simplement en le lisant à l'envers. Naturellement, ça construit l'image miroir. D'accord ? Donc, voilà un mécanisme à état fini, assez simple, qui permet de faire des choses nettement plus expressives. Et donc, il y a quelques exemples. On peut décaler, échanger des morceaux du mot d'entrée, on peut copier un mot d'entrée en le passant plusieurs fois dessus, en le recopiant. On peut le copier et lui appliquer une transformation sur la première copie, une deuxième transformation sur la deuxième, par exemple. On peut imaginer quelque chose où il y a des séparateurs, le mot est coupé en différents morceaux, et ici, on fait l'image miroir sur chaque petit morceau, etc. Donc, on a un modèle qui est beaucoup plus expressif. Et alors, ce modèle, il a été déjà pas mal étudié, y compris il y a longtemps. Ça a commencé dans les années 80. Bon, il est plus expressif, naturellement, il va être un peu plus coûteux. Mais il y a quand même beaucoup des résultats qu'on a vus sur les fonctions rationnelles qui vont encore être valables sur les fonctions régulières. Donc c'est simplement plus difficile, plus coûteux du point de vue algorithmique, mais on arrive quand même à obtenir beaucoup de résultats positifs, c'est ça qui est assez intéressant. Et en particulier ces dernières années, on verra dans les travaux reliés tout à l'heure, il y a beaucoup de résultats positifs sur ce modèle. Donc un premier résultat très important donc, qui a été démontré dans les années 80, l'équivalence est encore décidable pour ce modèle et encore en p-space. Alors si vous vous souvenez tout à l'heure, le p-space venait de l'équivalence des domaines. Quand les domaines étaient égaux, on avait p-time. Ici, même si les domaines sont égaux, on est encore p-space. D'accord ? C'est-à-dire que forcément, on paye un peu plus cher que le p-time. Hein. Mais on est encore dans quelque chose qui est raisonnable, on va dire. Ces transducteurs sont clos par composition. Donc hier, Emmanuel, vous avez fait la clôture par composition des transducteurs à état fini classique. Ici, la clôture par composition est beaucoup plus complexe à démontrer. C'est un résultat de Chittick-Jellicle. Mais c'est encore le cas. C'est des fonctions qui sont closes par composition. Alors un résultat beaucoup plus récent en termes de biblio, il s'est passé 40 ans entre les deux, qui a été démontré par ce groupe de jeunes doctorants et post-doctorants il n'y a pas très longtemps, il y a un an et demi.
Ils ont démontré qu'en fait, les transducteurs two-way qui définissent des fonctions comme ça, on peut toujours les transformer, trouver une machine équivalente qui est un two-way réversible. Qu'est-ce que c'est réversible ? Réversible, c'est à la fois déterministe et codéterministe. D'accord ? Donc, il lit la machine dans les deux sens à déterministe. D'accord ? Et alors, ici, c'est important que ce soit bien un two-way et pas... Comment dire ça ? Si vous cherchez à démontrer le même résultat déjà au niveau des langages, d'accord ? On oublie complètement les transducteurs, on se met au niveau des langages. Donc au niveau des langages, automates finis, on peut prendre des automates finis déterministes, on sait que ça fait la même chose. On peut prendre des automates finis bidirectionnels, hein, les two-way, ça fait la même chose, ça n'augmente pas le pouvoir d'expression. Par contre, si vous cherchez à faire des réversibles one-way, d'accord ? Donc ce seraient des machines unidirectionnelles qui seraient à la fois déterministes et codéterministes. Alors là, vous perdez en expressivité, vous ne faites pas les langages réguliers. Donc c'est ce qui est écrit ici, voilà un exemple. Donc ça, c'est homework, si vous êtes curieux de ce genre de questions. Ce langage, il n'est pas définissable par un automate one-way réversible, qui serait à la fois déterministe et codéterministe. Par contre, il l'est par un two-way réversible. D'accord ? Donc quand on veut une machine qui est à la fois déterministe et codéterministe, il faut passer de one-way à two-way, d'une certaine façon. C'est ça la morale de l'histoire. Et donc, ce qu'ils ont montré, c'est que ça marche aussi pour les transducteurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça rend beaucoup de problèmes de transducteurs plus simples, le fait que ce soit déterministe et codéterministe, par exemple la composition, mais aussi d'autres choses. C'est un joli résultat. Et alors, ce qui est amusant avec ce modèle, c'est qu'il a aussi beaucoup de présentations équivalentes. Alors, je vais insister un peu sur une qui me semble particulièrement... pertinente, on va dire, qui a une introduction assez récente, qui a été introduite en 2010 par Allure et Cerny, et qui a un modèle un peu plus proche d'un langage de programmation, d'une certaine façon. D'accord ? Donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que si on veut programmer ces transducteurs, si on veut les implémenter, on a envie d'avoir des machines déterministes, parce que voilà, un programme déterministe, c'est quand même mieux. Et si je vous dis demain, faites-moi une transformation, faites-moi un programme déterministe qui fait l'image miroir, ou qui fait quelque chose comme ça, comment est-ce que vous allez faire ? Vous allez naturellement faire un programme qui lit les symboles les uns après les autres et qui va garder dans des variables des informations qu'il va utiliser à la fin pour produire la sortie finale. C'est comme ça que vous allez faire, vous allez utiliser des variables. Bien, finalement, ce modèle, c'est exactement ça qu'il fait. Il rajoute, alors ici, ils ont appelé des registres, on pourrait appeler ça des variables. Il va avoir un ensemble fini de registres qu'il va pouvoir mettre à jour et la sortie finale va dépendre de ces registres. Donc par exemple, à chaque fois que je lis un X ici et que je lis une lettre sigma, je vais rajouter ce sigma à gauche du X. D'accord ? Donc j'ai un certain contenu dans X, et je vais rajouter la lettre sigma devant. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait l'image miroir, parce qu'en fait je suis en train de rajouter dans un registre toutes les lettres que je lis, mais dans l'ordre inverse, de la droite vers la gauche. J'écris de droite à gauche. Et donc à la fin, quand je produis X, X contient exactement l'image miroir du mot d'entrée. Donc voilà un programme super simple, c'est difficile de faire plus simple, hein, vous le reconnaîtrez, qui fait l'image miroir. C'est quand même assez élégant. Si je veux faire un truc un peu plus compliqué, donc je fais l'identité suivie du miroir, bon, ben, j'utilise deux registres, un qui contient sigma x pour faire le miroir, un qui contient y sigma pour faire l'identité, et à la fin je fais la concaténation de y et de x. Si je veux faire un truc qui fait une exponentielle, c'est pour montrer qu'on va dans des choses un peu plus compliquées en termes d'expressivité, je peux faire ce genre de transformation, elle fatigue un peu le pointeur là. Et je peux montrer voilà, que le mot A puissance N il va être traduit en A puissance 2 puissance N. D'accord ? C'est pas très compliqué à voir. Et alors, donc, c'est le résultat d'Allure et Cerny, c'est de montrer que ce modèle, si je prends que des mises à jour linéaires, qu'est-ce que ça veut dire linéaire ? Ça veut dire que chaque variable, elle va être utilisée au plus une fois dans les mises à jour. Donc, typiquement, celle-ci, c'est pas bien, parce que X, on voit qu'il apparaît deux fois. D'accord ? Par contre, les deux autres, elles sont bien avec que des mises à jour linéaires. Alors, c'est équivalent au transducteur bidirectionnel que je vous ai présenté jusqu'avant. Donc, ce modèle un peu compliqué, qui va passer plusieurs fois dans le mot d'entrée, il est équivalent à un modèle déterministe one-way. Par contre, on a troqué les déplacements compliqués dans le mot d'entrée par un ensemble fini de variables. D'accord ? Donc, ça, c'est un résultat assez fort. Et alors, donc avec Emmanuel, on a montré, en faisant une réduction, un autre problème, que dans le cas général, même avec des mises à jour comme ça, le problème d'équivalence est encore décidable. Voilà, ça a été démontré. Donc c'est un joli modèle, ce modèle de transducteur avec registre. Alors, je vous ai dit que
ils étaient équivalents à plusieurs autres modèles. Donc on a vu une première équivalence, c'est les transducteurs à registres avec mise à jour linéaire. Une deuxième équivalence, c'est avec un modèle de logique. Alors, on a vu tout à l'heure que la logique, elle avait, telle que je vous l'avais présentée, une lettre est traduite en un mot, ça n'avait aucune chance de faire, par exemple, l'image miroir. D'accord ? Donc, pour être capable de faire, avec un modèle logique, l'image miroir, il va falloir prendre une autre modélisation logique de ces transformations. Et ce qui a été proposé par Engelfried et Hochboom dans les années 2000, c'est d'utiliser les transducteurs, les MSO transducteurs de graphes introduits par Bruno Courcel. Donc lui, il traduit carrément des graphes dans des graphes. D'accord ? Mais on peut spécifier ça au cas particulier où le graphe est en fait le graphe d'un mot. D'accord ? Donc il doit y avoir un... Voilà. Le graphe d'un mot, c'est ça, par exemple. J'ai un mot, je prends chaque lettre comme un nœud de ce graphe, et puis je prends la relation successeur comme les arêtes de ce graphe. D'accord ? Donc maintenant, je vois un mot comme un graphe. Et si j'applique... Si j'instancie le cadre des transformations de Courcel à ce setting-là, donc ce que je vais faire, hein, c'est que je vais définir des prédicats de sortie pour construire le graphe de sortie qui vont être interprétés, qui vont être définis avec des formules de MSO qui sont interprétées sur la structure d'entrée qui est celle-ci, donc sur le graphe d'entrée. Et de cette façon-là, je vais décrire un graphe de sortie. Donc de quoi est-ce que j'ai besoin, hein ? J'ai besoin, pour construire une structure de sortie, de construire, de dire comment sont étiquetés mes nœuds de sortie, et de dire comment est définie ma relation d'arête, ma relation successeur. D'accord ? Alors ici, c'est un premier exemple très simple. Je dis que les étiquettes de sortie, donc en bleu, c'est les sorties toujours, hein, et en rouge, c'est les entrées. Les étiquettes de sortie sont les mêmes que les étiquettes d'entrée. D'accord ? Donc un nœud X, il est étiqueté par sigma en sortie, si et seulement si, il est étiqueté par sigma en entrée. D'accord ? Donc je conserve les étiquettes. Okay ? Par contre, ce que je fais une petite opération au niveau de la relation successeur, deux nœuds XY, deux positions XY, elles sont dans la relation successeur en sortie, si et seulement si Y et X sont dans la relation successeur en entrée. Donc ce que ça veut dire, c'est que j'inverse les flèches. D'accord ? Je vais de X à Y en sortie si j'allais de Y à X en entrée. Donc ça veut dire que mes flèches S rouges, qui sont mon mot d'entrée, sur la structure de sortie, elles sont dans l'autre sens. D'accord ? Et donc maintenant, si j'oublie le rouge, je ne sais plus exactement comment, voilà, si j'oublie le rouge, j'ai une structure, cette structure, il se trouve qu'elle correspond bien à un mot, au sens où c'est un graphe linéaire qui représente bien un mot. Donc le mot, il se lit toujours depuis l'unique nœud qui n'a pas d'arête entrante, en suivant la relation S, jusqu'à l'unique nœud qui n'a pas d'arête sortante. C'est ça qui, le mot qui est décrit par mon graphe. Et donc ici, vous voyez que j'ai obtenu le mot, comme j'ai conservé les étiquettes, mais j'ai inversé la relation d'arête, j'ai obtenu exactement le mot qui est l'image miroir de mon mot d'entrée. D'accord ? Donc c'était stressed et ça devient dissert. Ok, ça va ? Alors, on peut faire des on a besoin de faire des choses un peu plus compliquées, donc on fait le miroir, ok. Je vous ai dit qu'on avait envie de faire des choses plus compliquées, par exemple la copie. Alors si je veux faire la copie, je suis un peu embêté parce que j'ai besoin d'un peu plus de nœuds puisque la longueur de ma sortie va être plus grande que la longueur de mon entrée. Donc je ne peux pas me contenter de mes nœuds d'entrée. Donc en fait, ce que je vais autoriser, c'est en plus de copier un nombre fini de fois mon entrée. Donc par exemple, sur un exemple, je pense que c'est le mieux, je veux faire la transformation U concaténée avec l'image miroir de U. Je vais me donner deux copies et je vais construire mes formules de la façon suivante. Donc ce que j'ai envie de faire, hein, c'est de lire d'abord U et puis ensuite ici de descendre et de lire l'image miroir de U dans ce sens-là. Donc effectivement, dans la première copie, je vais dire que la relation successeur, c'est la même que la relation successeur de mon entrée. Ça marche bien. Dans la deuxième copie, je dis qu'elle est inversée. Donc ça met mes flèches bleues dans l'autre sens. D'accord ? Ensuite, je rajoute des transitions entre copie 1 et copie 2. Et alors, en fait, ce que je vais dire, c'est que la seule arête S en sortie de la copie 1 vers la copie 2, elle a lieu lorsque la position XY est la même dans les deux copies, et cette position correspond à la dernière position. Donc ça va me rajouter précisément cette flèche S tout au bout. D'accord ? Donc là, si je regarde mes flèches bleues, ça commence à être pas mal. Hein. J'ai bien la structure que je voulais pour faire U miroir de U. Donc il ne me reste plus qu'à dire qu'il n'y a pas d'autres transitions, que les labels sont les mêmes. Et effectivement, j'ai réalisé, il y a peut-être encore un transparent, voilà, où j'efface le rouge, j'ai réalisé, avec ce modèle de transformation MSO,
la transformation qui a U associe la concaténation de U avec son image miroir. D'accord ? Donc voilà sur un exemple. Alors ces transformations MSO de Courcelles, elles sont un peu plus difficiles à manipuler, mais ce qui est très beau comme résultat, et ça a été démontré donc par Engelfried et Hochboom en 2001, c'est que les transducteurs déterministes tout way, les fonctions qu'ils définissent sont exactement les fonctions qui sont définissables dans cette logique MSO de Courcelles, pour les mots. D'accord ? Alors là, la preuve, elle est franchement pas facile, donc il y a des ingrédients de preuve, mais je vais les passer. Pour venir à pas encore à la dernière partie, il y a un petit summary avant de passer à la dernière partie qui est un tour un peu des résultats récents pour vous montrer d'autres genres de questions auxquelles on s'est intéressé. Alors, un petit point d'abord sur tous les modèles qu'on a vus. Donc maintenant, on a vu deux classes de modèles, hein, les modèles transducteurs à état fini one-way et les two-way. Et donc, essentiellement, en termes d'expressivité, on a ce genre de choses. Donc on a vu que ça, c'est la ligne one-way qu'on a vu tout à l'heure. Les two-way, ils sont clairement plus expressifs parce que, par exemple, ils peuvent faire l'image miroir que les premiers ne pouvaient pas faire. Ici, on a l'égalité, c'est le résultat que je ne vous ai pas donné, en fait. C'est le résultat que je ne vous ai pas donné. Il découle de... Avec réversible, ça peut se démontrer. Ouais. Donc effectivement, dans le cas two-way, c'est un résultat assez important, mais c'est vrai qu'il n'est pas dans ces transparents. Dans le cas two-way, donc dans le cas one-way, je vous ai dit que les déterministes ils étaient plus faibles que les fonctionnels. Dans le cas two-way, si vous le supposez simplement fonctionnel, vous êtes capable de construire un déterministe équivalent. Et donc, en fait, effectivement, ce que je vous ai dit tout à l'heure avec les réversibles, le résultat réversible, c'est non seulement que vous pouvez faire un déterministe équivalent, vous pouvez faire un déterministe et codéterministe équivalent. Donc ici, demander déterministe quand on est two-way, ça ne réduit pas le pouvoir expressif. Alors, ces différentes inclusions strictes au niveau des classes, elles induisent des problèmes de décision. Donc on en a déjà vu plusieurs. Hein. On a déjà vu que ces deux problèmes-là étaient P-time. Je vous ai dit tout à l'heure que tester la fonctionnalité, c'est également en P-space. Et alors, on peut faire des problèmes dans l'autre, dans le sens vertical. Donc, étant donné un two-way, est-ce qu'il existe un one-way équivalent ? Ça, c'est un truc assez naturel. Donc, vous avez modélisé à nouveau votre programme en utilisant d'aller dans les deux sens. Est-ce que, finalement, c'était inutile ? Donc, on a montré avec Emmanuel et avec Olivier Gauvin et Frédéric Servet en 2013 que c'est décidable dans le cas où c'est fonctionnel. Hein. En toute généralité, c'est indécidable. Et bon, ces résultats, ils ont été raffinés pour montrer que c'était décidable en temps élémentaire. Nous, on avait une procédure non élémentaire. Donc, effectivement, on peut, étant donné un modèle two-way complexe, décider s'il y a un modèle one-way équivalent. Voilà pour l'expressivité. Et donc, pour les problèmes d'équivalence, on obtient la table suivante. Donc, dès lors qu'on a une relation, c'est indécidable. Et quand on est one-way, on va avoir un problème qui va être p-time, en supposant que les domaines sont les mêmes. Quand on est two-way, on passe à p-space. D'accord ? C'est juste pour récapituler ce que j'avais dit tout à l'heure. OK, midi 7, j'accélère un peu. Donc il y a une dernière partie. Là, on s'est concentré, en fait, dans tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, sur des questions assez fondamentales d'équivalence, fonctionnalité, séquentialité, parce que c'est vraiment les premières questions qui viennent. Ce qui est assez excitant, on va dire, dans ce domaine des transducteurs, c'est que si vous regardez un peu la biblio, vous allez voir qu'il y a beaucoup de résultats dans les années 70. Il y en a un petit peu dans les années 90-2000, mais c'est pas très très actif. Et depuis 2010, on va dire, il y a vraiment, vous allez voir, j'ai plein de citations dans les années récentes, dans les 7-8 dernières années. Donc ça montre qu'il y a vraiment un regain d'intérêt, et en particulier, il y a un regain d'intérêt au niveau de ces transducteurs bidirectionnels qui augmentent l'expressivité, mais pour lesquels on arrive quand même à avoir des jolis résultats. Donc du coup, c'est ce qu'on voulait vous montrer dans cette dernière partie avec Emmanuel, c'est vous montrer un petit peu le genre de questions un peu plus d'actualité sur lesquelles les gens ont travaillé. Donc un premier registre, un premier sujet, c'est comment spécifier ces langages, comment spécifier ces transformations. Alors il y a... En logique sur les mots classiques, il y a la logique MSO, mais il y a aussi la logique du premier ordre qui est très importante. Et donc il y a eu une question assez naturelle qui était de caractériser les transductions qu'on pouvait définir dans la logique du premier ordre au sens de Courcelles. D'accord ? Alors il y a un résultat très fameux que vous avez sans doute eu en cours, qui est que pour les mots, un langage, il est définissable
en logique du premier ordre, si et seulement si son monoïde syntaxique est apériodique. D'accord ? Et donc, il y a une notion d'automates apériodiques qui sont ceux dont le monoïde de transition est apériodique. D'accord ? Donc, ces résultats-là, ils ont été étendus aux transductions. Donc, pour les modèles des transducteurs avec registre et pour les modèles des transducteurs bidirectionnels, donc il s'agit essentiellement d'introduire un modèle effectivement de monoïde pour ces transducteurs et de montrer effectivement qu'on a bien l'équivalence avec le formalisme des FO transductions à la Courcelle. Donc effectivement, ça fonctionne. C'est pas évident à démontrer, mais ça marche. Un autre cadre, peut-être encore plus important, enfin, en tout cas de mon point de vue, c'est, vous savez aussi très bien que pour les langages réguliers, il y a les expressions régulières. Donc les expressions régulières, c'est un outil hyper important qu'on utilise tous les jours sans s'en rendre compte. Donc une question naturelle, c'est est-ce qu'on peut faire des expressions régulières pour les transformations ? Alors la réponse est oui, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus. Et en particulier, donc, il se passe, donc c'est un peu plus complexe parce que donc, ce qui est visé, c'est vraiment les transducteurs bidirectionnels qui vont dans les deux sens. Hein. Donc du point de vue de l'expression, il faut autoriser des miroirs, il faut autoriser les déplacements un peu compliqués des transducteurs bidirectionnels. Et donc il y a un ensemble d'opérateurs, de combinateurs, qui a été introduit par ces trois auteurs, Alur, Freilich et Ragotaman, en 2014. Ils ont montré que c'était équivalent, eux, aux transducteurs à registre. Donc il y a des opérateurs d'union, de concaténation assez naturels. Ici, on a mis que les transducteurs un peu plus complexes. Donc il y a une étoile de Kleene, et puis il y a ce qu'ils ont appelé la chain sum, qui va, étant donné un mot U qui se découpe en U1, UN, faire appliquer une fonction F sur, par paire, d'une certaine façon. Donc, c'est un opérateur assez particulier, mais dont on est capable de voir qu'on a besoin de lui pour exprimer effectivement ces fonctions régulières. Et donc, il y a eu d'autres résultats dans cette veine-là. Donc, on a montré avec Nicolas qu'on pouvait obtenir ça directement à partir des two-way. Ces personnes ont étendu ça au mot infini. Et il y avait des résultats en fait, précédents, mais donc, ça aurait dû être tout en haut, mais je l'ai mis en bas, dans le cas où c'est non-déterministe. Dans le cas où c'est non-déterministe, ces transducteurs, ils sont, à nouveau, on a vu, il y a beaucoup de problèmes qui deviennent indécidables, on les contrôle beaucoup moins bien. Donc avoir un ensemble de combinateurs qui décrit le genre de relation qu'on peut faire quand on est non-déterministe, c'est un problème vraiment difficile. Et donc ce qu'ont obtenu Chauffru et Guillon, alors Guillon c'est Bruno, c'est pas Pierre, c'est dans le cas unaire, dans le cas où l'alphabet de sortie ou d'entrée est unaire, alors ils ont une description des relations qui sont reconnaissables par ces machines. Voilà un deuxième contexte. Un troisième contexte plus récent, donc sur lequel je vais aller plus vite, c'est on peut voir ces transducteurs comme des fonctions sur des listes, finalement. Quand on fait l'image miroir, c'est inverser une liste. Et donc, il y a une présentation à base de fonctions de liste dont on est capable de montrer que c'est équivalent à ces transformations. Alors là, eux, ils utilisent la composition de fonctions qui simplifie un peu les choses. Et un travail récent aussi d'Emmanuel avec Luc D'Artois et Nathan Lhôte, qui est une autre logique qui permet de spécifier des transductions, alors en particulier des transductions qui sont des relations et qui a de bonnes propriétés de décision. J'en dirai pas beaucoup plus, mais vous pouvez poser des questions à Emmanuel, il est là. Alors, un deuxième registre, je surveille là, un deuxième registre, c'est des problèmes de définissabilité. Donc la logique du premier ordre, elle a été beaucoup étudiée dans le cas des langages, parce qu'elle permet de décrire une sous-classe de langage qu'on comprend bien d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il y a plein de caractérisations équivalentes. Donc je vous ai dit tout à l'heure, il faut que le monoïde syntaxique du langage soit périodique. On a une présentation avec des expressions régulières star-free, sans étoiles, etc., etc. Et il y a un résultat fameux qui est, étant donné un langage régulier ou étant donné une formule de MSO, décider s'il existe une formule équivalente du premier ordre. Et ça passe par cette caractérisation. Donc naturellement, ce problème, il a été aussi étudié dans le cadre des transductions. Donc étant donné un transducteur MSO définissable au sens de Courcelle, est-ce qu'il existe un transducteur équivalent du premier ordre ? Alors c'est un problème qui est difficile parce qu'on manque un petit peu d'outils algébriques en toute généralité. On n'a pas encore de monoïdes syntaxiques comme il y en a pour les langages, on n'en a pas pour les transductions. Donc pour l'instant, ce qui existe, c'est une décision dans le cas seulement des fonctions rationnelles. C'est déjà un joli résultat, et c'est un résultat tout à fait ouvert dans le cas général. Voilà. Une autre,
une autre direction de recherche liée au modèle de ces transducteurs à registres. Bah, tout comme quand on a un automate fini avec des états, c'est assez naturel de chercher à construire un automate avec un nombre minimal d'états. Quand on a un automate avec des registres, on peut chercher aussi à minimiser le nombre de registres qu'on utilise. Finalement, on l'a modélisé avec 15 registres, est-ce qu'on pourrait le faire avec 2? Alors, il y a pas mal de travaux, je vais les lister, mais pour illustrer le genre de résultats qu'on arrive à obtenir dans ce cadre-là, on peut montrer, il faut me croire, que les fonctions rationnelles, elles sont exactement équivalentes aux transducteurs à registres avec seulement des mises à jour de ce type-là. D'accord ? Et alors, dans ce contexte, on arrive à montrer que, on arrive à caractériser en fait les transducteurs, les fonctions qui sont réalisables avec K registres. Donc, c'est réalisable avec K registres si et seulement si je satisfais une twinning property d'ordre K. Alors, c'est pour ça que je voulais vous mettre ce dessin, parce que ça réutilise vraiment la twinning property que je vous ai présentée tout à l'heure dans la séquentialité. Pourquoi ? En fait, parce que être réalisable avec un registre, c'est être réalisable par un transducteur input déterministe, en fait. D'accord ? Si on a un seul registre, c'est exactement comme une machine déterministe à l'entrée. Et donc, c'est comme ça qu'on a introduit cette twinning property d'ordre K qui généralise la twinning property pour caractériser ce qu'on peut faire avec K registres. Et il y a d'autres travaux un petit peu dans le même genre pour d'autres classes en fonction des mises à jour qu'on met. On va les caractériser de façon un peu différente. Bon, je pourrais toujours poser des questions si vous le souhaitez, mais j'avance un petit peu pour ne pas être trop en retard. Donc on a vu des formalismes de spécification, des problèmes de sous-classe, des problèmes de minimisation. On a vu aussi, en particulier hier, là, quand Emmanuel vous a fait la preuve pour la fonctionnalité, qu'un problème qu'on avait, une difficulté intrinsèque des transducteurs, c'est de produire la même sortie de façon différente, de façon un peu désynchronisée. On ne produit pas à la même vitesse dans les différentes exécutions. Mikowaj Bojanczyk, en 2014, il a proposé de considérer une autre sémantique des transducteurs qui casse cette difficulté. Hop, on va mettre cette difficulté de cette côté. On va retenir, à chaque fois qu'on produit un symbole en sortie, quel est le symbole d'entrée qui nous a permis de le produire. Donc, quelle est son origine? C'est pour ça qu'il a appelé ça la origin semantics. D'accord? Donc, ça veut dire que maintenant, cette transformation qui envoie AAA sur AAA de deux façons différentes, vous voyez que les A ne sont pas produits au même moment, simplement, même si, du point de vue entrée-sortie, ils réalisent la même transformation, ils vont être distingués, parce qu'ils n'ont pas été produits de la même façon. Donc, de cette façon-là, on va s'affranchir de beaucoup de difficultés de combinatoire, en ramenant d'une certaine façon les problèmes de transformation à des problèmes d'égalité de langage. Et donc, effectivement, ça a été étudié par pas mal d'auteurs. Donc, on peut avoir une notion de transducteur canonique. Dans ce cas-là, la FO définissabilité avec origine devient décidable. On peut étendre ça à d'autres modèles. Bon, je passe un peu là-dessus, mais c'est juste pour vous donner une idée. Donc ça, c'était le transparent dans le cas où Emmanuel faisait cette partie qui détaille un petit peu sa logique, mais donc je passe rapidement dessus. Et j'arrive presque à la fin. Donc, ça, je ne vais peut-être pas en parler, je n'ai pas trop le temps. Un autre type de problème qui a été étudié, c'est des problèmes d'uniformisation. Donc, on peut ramener à des problèmes de synthèse. Donc, on l'a dit tout à l'heure, c'était important d'avoir des machines déterministes qui réalisent une spécification donnée. Donc, d'une certaine façon, si on a une spécification, qu'on voit ça comme une relation R, on cherche une fonction qui est séquentielle, qui est incluse dans R et qui a le même domaine. Donc ça, ce problème d'uniformisation, c'est exactement un problème de réalisation par une machine déterministe. Donc j'ai une spec qui est non déterministe, qui autorise plein de comportements, et je veux une machine déterministe à l'intérieur de cette spec, donc qui satisfait la spec, hein, qui a le même domaine, donc qui réagit sur toutes les entrées de la même façon que R, puisqu'elle va produire des sorties qui ne sont pas compatibles avec R. Donc ce problème d'uniformisation, il est vraiment important dans un problème d'un point de vue vérification, on va dire. Et donc, il y a ces étudiants, Ismaël Jecker et Sarah Winter, qui ont tous les deux soutenu récemment des thèses sur ce sujet. Il y a aussi des questions d'apprentissage automatique. Donc, il y a des jolis résultats aussi en théorie des automates qui permettent... alors, en général, ça repose sur des représentations canoniques des langages, d'apprendre de façon automatique un automate qui reconnaît un langage. Donc, vous avez simplement des exemples de mots qui sont dans le langage et vous allez dériver le langage de façon automatique. Donc, c'est assez naturel de chercher à faire la même chose avec les transformations.
comme on n'a pas exactement de représentation canonique des transformations, je vous ai dit, on est un peu en manque de représentation algébrique canonique. C'est plus difficile, mais donc dans des sous-classes, il y a moyen de faire des choses. Donc là, c'est un travail de personnes qui sont à Lille, qui arrivent à faire du learning pour des transducteurs déterministes d'un certain type. Et puis, on peut aussi chercher à généraliser, un dernier point, tous ces travaux à des alphabets finis, à des alphabets d'entrée, pardon, qui seraient des alphabets infinis. Parce que dans des contextes, par exemple, de systèmes répartis ou autres, on va avoir des identifiants qui sont pris dans un ensemble qui n'est pas forcément borné. Donc se limiter à des alphabets finis, c'est restrictif et ça peut être problématique d'un point de vue de vérification. Donc c'est le travail de la thèse de Léo, d'étendre ces résultats, par exemple les problèmes d'uniformisation, à des transducteurs qui marchent sur des data words en entrée, donc avec un alphabet infini. Ok, bon, on peut encore généraliser vers d'autres structures. Voilà, j'arrive à la fin. Donc, bon, on n'a pas parlé beaucoup d'applications au début, mais c'est parce que c'était naturel. Mais quand même, on va dire quelques mots d'application à la fin. Donc des transformations, bon, on pourrait citer... Alors on m'a pointé un travail il n'y a pas très longtemps d'Anna Scott des années 60, je crois, qui dit quelque chose du genre « Les langages, c'est très important, mais finalement... les automates et les langages, c'est très important, mais finalement, étudier les transducteurs, c'est encore plus important, c'est encore plus fondamental. » Donc déjà dans les années 60, il se disait ça. Et parmi les applications possibles, on peut citer le traitement du langage. Donc ça a été étudié et utilisé pendant très longtemps en fait dans la communauté TAL. Maury a beaucoup poussé dans ce sens-là. Aujourd'hui, le TAL s'est mis un peu plus à des techniques d'apprentissage statistique. Ça a été utilisé aussi en vérification pour le regular model checking. Bon, d'une manière générale, on voit bien que ce qu'on est en train de faire, hein, manipuler des chaînes d'entrée pour les transformer, pour faire des opérations dessus, ça correspond à ce qu'on a envie de faire pour des transformations de documents. Il y a des applications aussi à des transformations de documents XML, par exemple, XSLT ou autre. Donc on a vu, avec les problèmes d'uniformisation, des applications en vérif du point de vue de la synthèse réactive. Voilà, et donc ce qui est écrit, c'est qu'il y a un certain nombre d'outils qui développent, qui implémentent ces idées. Et plus récemment, en particulier des travaux sur des alphabets infinis, mais d'un type un peu particulier. Bon, je ne vais pas en tirer beaucoup plus, je vais garder quelques minutes pour les questions, et je vous remercie. Merci. Donc, une question, oui ? Je te passe le micro. Bonjour. Dans les exemples que tu as donnés, on a vu que dès que la transduction n'était pas fonctionnelle, l'équivalence était indécidable. Est-ce que, dans les exemples que tu as donnés, il me semble, dans le tableau en tout cas, est-ce qu'il y a des exemples de machines qui reconnaissent des relations où l'équivalence est décidable? Ouais, donc ce que j'ai dit, c'est que dans le cas où c'est finiment évalué, il y avait cette classe, elle apparaissait pas dans les tableaux, mais elle apparaissait sur un transparent. Donc dans le cas finiment évalué, donc où on a une constante K telle que pour tout mot d'entrée, on produit au plus K mot de sortie. Alors dans ce cas-là, donc on est vraiment intermédiaire, hein, entre fonctionnel et les relations. Et dans ce cas-là, le problème d'équivalence est décidable. Et en fait, ce qu'on peut montrer, hein, c'est d'ailleurs assez joli, tout comme les fonctionnels sont équivalents aux non ambigus, les K évalués sont équivalents aux K ambigus. D'accord ? Donc, et même ce K ambigu, il peut être décomposé en une union de K machines ambiguës. D'accord ? Et c'est un outil qui va être utilisé ensuite pour tester l'équivalence. Et dans le cas général, il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas de cas où on n'a pas de borne sur le nombre d'outputs sur donc des choses qui soient infiniment, des classes qui autoriseraient des transformations non finiment évaluées et pour lesquelles l'équivalence serait connue pour être décidable. Ouais. Il y a les relations fonctionnelles déterministes. Merci. Il y a les relations rationnelles déterministes, alors ça n'a rien à voir avec les fonctions séquentielles, c'est vraiment des relations, et là on n'a pas de borne.
Mais alors, ça se définit par un modèle un peu particulier où on a une, c'est un automate dont, avec, dont l'espace d'état est partitionné entre état d'input et état d'output. Et donc, dans un état d'input, on peut lire une lettre d'input et dans un état d'output, lire une lettre d'output. Et ce n'est pas forcément alternant entre ces deux modes. Et dans ce, pour ce modèle-là, qui peut permettre de définir des relations non bornées, hein, on peut par exemple lire un A en input et puis avoir une boucle qui lit un nombre arbitraire de B en output. Ça, ça correspond à produire en lisant un A un nombre arbitraire de B. Là, l'équivalence est décidable. D'autres questions? Oui. Quand tu faisais déterminisation, tu avais besoin d'augmenter la taille de ton mot en sortie. Si jamais tu mets des contraintes là-dessus, ça change les choses? D'augmenter la taille du mot produit en sortie sur chaque transition, c'est ça? Donc tu voudrais dire, est-ce que je suis déterminisable, mais sur chaque transition, je produis quelque chose borné par une certaine constante donnée à l'avance? Exactement. Là, ce qu'on sait, c'est qu'on est capable de borner a priori les mots. Si c'est déterminisable, on sait qu'on n'aura pas besoin de mots plus grands que telle constante. Ça, on sait ça. Après, si tu veux imposer que ta constante dès le début, essentiellement, j'imagine que ça doit revenir à regarder ce qui se passe sur les boucles. Parce que tant qu'on n'est pas dans les boucles, on peut jouer et décaler un petit peu les productions. Par contre... Si tu ne produis pas suffisamment vite sur les boucles, là, tu n'arriveras pas à déterminiser, c'est sûr. Mais je pense que ce problème serait décidable, à mon avis. On pourrait adapter les techniques. Merci. Encore des questions? Bon, moi, j'ai une question idiote. Dans mon éditeur de texte, il y a des expressions régulières pour faire des transductions. Tu peux grouper des sous-expressions et après les sortir. Ça correspond à quoi dans votre... C'est quoi ton éditeur de texte? C'est Emacs. C'est Emacs, il fait ça. Tu peux faire des... Mais ouais, tout le monde fait ça, non? Avec un sed, tu peux faire des transformations comme ça. Aussi. Tu fais des replays, quoi. Mais je pense que c'est des choses assez simples du genre one way uniquement, hein, uniquement rationnel. Parce que je ne crois pas que tu fasses du miroir. Tu ne vas pas non, réussir à swapper. Donc ça doit être quelque part dans le rationnel. Après, trouver exactement à quoi c'est équivalent, il faudrait regarder, mais ça doit se faire. C'est une fonction déjà, je pense que c'est des fonctions ce que tu fais. À mon avis, tu ne fais pas des relations. Ouais. C'est fonctionnel, parce que naturellement, on a envie de réaliser quelque chose de fonctionnel. Sans doute. Donc ça doit être à l'intérieur des fonctions rationnelles, je dirais. Bon, s'il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions bêtes. On remercie encore Pierre-Alain.